Dieu, viens à mon aide. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour, lus par sœur Diane Audrey Raymond Indéa et le diacre Nestor Pala Chaou, SMA, commenté par le père Yves Alou, SMA. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 14, versets 14 à 19. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main, une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée.
lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons le psaume 95. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et des dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Il lui demandait, « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des épidémies de peste et de famine. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la dernière semaine du temps liturgique. Nul doute que la liturgie nous fait méditer sur la fin des temps,
dont la date reste toujours cachée dans le secret du cœur du Père éternel. Jésus annonce la ruine du Temple. Le jugement de Jérusalem fait allusion aux persécutions qui frapperont les disciples. Bâtir le royaume de Dieu se fait dans la volonté du Père qui est aux cieux. Il ne restera pas pierre sur pierre d'un monde qui se construit en dehors de l'amour qu'a prêché Jésus. Beaucoup se présenteront à mon nom comme si c'était moi, dit Jésus. Ne les écoutez pas. Une seule chose compte, l'amour nouveau qui se donne dans toute personne de bonne volonté. Derrière la destruction de temple se profilent les signes de la fin du monde. Et derrière le jugement de Jérusalem, on discerne la venue du Fils de l'homme pour juger les vivants et les morts. La consigne de Jésus, urgente pour aujourd'hui, reste valable jusqu'à la fin des temps. Il faut espérer, il faut veiller. Le roi de l'univers est un roi plein de tendresse et d'amour, un roi de paix et de bonté. Le Christ, dans un rayonnement extraordinaire, a besoin de toute l'humanité pour rayonner la tendresse du Père. Nous avons le temps de ce jour pour aimer et servir les autres. Nous avons l'espace de notre cœur pour accueillir la parole de Jésus qui transforme nos vies. Nous avons l'espace du monde à prendre dans nos prières quotidiennes avec les missionnaires porteurs de messages de paix de Jésus-Christ. L'avenir n'appartient qu'à Dieu qui seul connaît les repères ultimes du temps et de l'espace. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.